Angoon, enquêtrice des saisons 1 à 3 de Mask Singer sur TF1, a regardé la nouvelle édition présentée par Camille Combal. Elle donne son avis à Télé Loisirs sur Élodie Frégé et Michel Bernier et révèle avoir deviné qui se cache derrière quelques costumes. On a demandé son avis à une experte. La chanteuse Angoon, notamment représentante de la France lors de l'Eurovision en 2012, s'est installée dans le salon des téléspectateurs de TF1 pendant 3 ans en tant qu'enquêtrice de Mask Singer. Saison après saison, l'artiste a démasqué une quarantaine de personnalités aux côtés de Kev Adams, Alessandra Sublet et Jarry. Interrogée par Télé Loisirs, Angoon a fait face à une question que nous avons eu l'audace de lui poser, fait-elle partie du casting de la 5e édition actuellement en diffusion chaque vendredi soir? Peut-être. Je ne dirai rien. Il faut regarder, dévoile-t-elle à peine. Ce n'est donc pas avec cette question que l'on aura la réponse la plus fournie. Mask Singer, Angoon sait qui se cache derrière au moins l'un des costumes de la saison 5 à défaut d'être dans l'un des costumes, Angoon s'est-elle au moins branchée sur cette saison? J'ai regardé l'émission en replay. J'ai cru reconnaître des personnes mais je ne peux rien dire. D'ailleurs, il y a une célébrité cachée sous l'un des personnages et je la bombarde de textos. Je le bombarde mais il ne veut pas me dire alors que je suis sûr que si est-il lui, nous confie la chanteuse qui ne veut nous révéler ni le nom de la personnalité ni même celui du costume. Il y a deux personnalités que j'ai reconnues, ajoute-t-elle. Angoon donne son opinion à propos de Michel Bernier et Élodie Frégé dans Mask Singer. Cette nouvelle édition de Mask Singer a connu deux changements majeurs du côté de son jury avec le départ de Vita et Chantal Leizou, remplacés par Élodie Frégé et Michel Bernier. L'occasion de demander à Angoon ce qu'elle pense de ces deux artistes dans leur rôle d'enquêtrice. Élodie, je l'adore. Je la trouve d'une beauté incendiaire. Elle est tellement gentille cette fille, elle a un bon esprit aussi. Je n'arrive pas à lui trouver de points faibles, sourit-elle. Michel Bernier est tellement généreuse, si est-il une vraie maman. Elle est quand même la fille du professeur Choron. Mon père aussi était quelqu'un qui faisait partie de l'intelligentsia en Indonésie, il était écrivain, chanteur, producteur, journaliste politique, sculpteur et poète, note de la rédaction. Avec ce père qui est une espèce de monument dans son pays, je trouve qu'il y a un truc similaire entre elle et moi, témoigne-t-elle. Voilà qui leur fait un deuxième point. Après leur participation à Mask Singer, évidemment. À lire aussi Élodie Frégé, elle dévoile ce que dit la production au jury dans les oreillettes sur le plateau de Mask Singer.